That's why. I don't wanna love nobody but you. Father, I don't wanna love nobody but you. I really mean it this time. I don't wanna love nobody but you. Jesus. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Let me tell you what it does. He saves the day. Come on. He will come through. He will let you down, but he won't allow. That's not what superheroes do. See, I will never find no greater love. A love like this makes my heart beat. Lève tes deux mains vers le ciel avec moi. J'aimerais que tu lui dises combien tu l'aimes ce matin, combien il est bon pour toi. Que ton cœur s'exprime simplement ce matin dans la présence de Dieu. Que ton cœur s'exprime simplement ce matin dans la présence de Dieu. Que tu lui dises combien tu l'aimes, combien il est bon pour toi. Ne reste pas la bouche fermée, mais parle-lui ce matin. Par des mots très simples, tu peux lui parler ce matin. Nous sommes venus à sa rencontre. Et il a besoin également de t'écouter. Il a besoin de savoir qui il est réellement pour toi. Il aimerait savoir qui il est réellement pour toi, ce qu'il représente véritablement pour toi. Alors j'aimerais que ton cœur s'exprime, que tu lui dises qui il est pour toi. Si pour toi il est Jéhovah Rapha, tu lui dis ce matin, je t'aime Jéhovah Rapha. S'il est Jéhovah Tsikenu, le Dieu de justice pour toi, tu lui dis ce matin, Jéhovah Tsikenu, je t'aime, je suis là pour toi. S'il est Emmanuel pour toi, tu lui dis Emmanuel, je suis là pour toi ce matin. S'il est Adonai, s'il est El Shaddai, tu lui dis je suis là pour toi. S'il est El Elyon, tu lui dis je suis là pour toi, El Elyon. S'il est Jéhovah Sabaoth, tu lui dis je suis là pour toi ce matin. Mais j'aimerais que tu l'adores, que tu lui parles par des mots très simples. Il a dit, lorsque deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Notre Dieu est présent au milieu de nous. Mais il a besoin maintenant d'entendre juste un cœur qui va s'exprimer. Il a besoin juste d'un cœur qui va s'exprimer. Un cœur qui sera capable de s'exprimer. Un cœur qui sera capable de s'exprimer ce matin. Il a prévu assurément de te bénir ce matin. Il a prévu de te visiter. Il a prévu de te faire du bien. Mais il a juste besoin maintenant d'entendre ces quelques paroles, ces quelques mots sortir de ta bouche. Pendant encore une minute, je te laisse le temps de lui parler. Je te laisse profiter de sa présence parce qu'il est là avant même que nous soyons arrivés. Il était déjà là, il nous attendait. Il était déjà là avant même que nous puissions arriver en ce lieu. Ne te retiens pas, exprime-toi simplement ce matin. Exprime-toi juste ce matin, ne te retiens pas, exprime-toi, exprime-toi. Sens-toi libre de lui parler ce matin. Que rien ne t'empêche, que rien ne te retienne ce matin. Que rien ne te retienne ce matin. Dis-lui mon cœur ce matin, mon cœur est tout à toi ce matin. Mon cœur veut t'adorer, mon cœur veut te parler. Mon cœur veut s'exprimer et te dire combien je t'aime. Excellent Dieu ce matin, nous t'adorons. Excellent Dieu ce matin, nous te rendons les actions de grâce. Excellent Dieu ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Il n'y a que toi qui es Dieu. Et c'est à ta rencontre que nous sommes venus ce matin. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus voir celui qui est le roi des rois, celui qui est au-dessus de toutes les principautés de ce monde. C'est toi que nous sommes venus voir, que nous sommes venus rencontrer ce matin. Ma prière est que ce matin, tu te révèles à ton peuple, tu te révèles à ton église. Révèle-toi à nous ce matin, sous la forme qui te plaît, mais révèle-toi à nous ce matin. Révèle-toi à ton église ce matin. Révèle-toi à un homme, révèle-toi à une femme ce matin.
Laisse ce matin qu'il y ait un homme qui puisse te rencontrer. Laisse que ce matin, en sortant de ce culte, nous puissions dire oui, nous étions dans la maison de notre Père ce matin. Qu'il y ait une personne qui dise à la fin de ce culte, qui témoigne, oui, ce matin, véritablement, j'ai rencontré le roi des rois. Pour cela, Père, nous avons besoin que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent véritablement. Laisse-toi trouver par ton église ce matin. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ta glorieuse présence. Tu es digne de recevoir notre adoration, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être exalté, digne d'être célébré et digne d'être acclamé ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois ce matin? Est-ce que tu peux acclamer et pousser des cris de joie pour le roi des rois ce matin? Non, je demandais, est-ce qu'on peut acclamer, non pas pour le pasteur Roger, mais est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est digne de recevoir des acclamations et pousser des cris de joie en même temps ce matin? Que Dieu te bénisse, toi qui es en train d'acclamer pour ce Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train d'acclamer pour ce merveilleux Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de le célébrer par tes acclamations ce matin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Je disais que Dieu bénisse ta présence ce matin. Tu es tout beau, tu es toute belle ce matin. Bon, je vais changer. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle ce matin. Alors, je répète, tu es tout beau, tu es toute belle ce matin. Je ne sais pas pour qui tu t'es fait belle comme ça, mais je crois que s'il n'y avait pas encore de prétendants à la fin de ce culte, ils vont courir vers toi. Bon, je croyais qu'il y avait des célibateuses dans l'église. Si tu t'es fait belle à la fin de ce culte, je crois que ta beauté va attirer des prétendants. Parce que l'onction attire. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas eu besoin de mettre des tonnes de peinture sur ton visage ce matin pour être belle. C'est le Saint-Esprit qui te rend belle ce matin. Je croyais que tu allais dire amen. Non, toi tu es habitué à ce qu'on te dise, tu es bien maquillée. Non, ce matin tu n'es pas maquillée, c'est le Saint-Esprit qui te rend belle. Oh. Bon, c'est ton make-up qui te rend belle. C'est ce que tu voulais entendre, n'est-ce pas? Non? Bon, c'est le Saint-Esprit qui te rend belle. Ah, je ne sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de femmes ici. Je vais parler aux hommes. Les hommes, nous sommes trop beaux ce matin. Ah, nous sommes trop beaux ce matin. Quand je vois Mathéo, je suis dans la joie. Parce que il est habillé comme un chef coutumier du Nigeria. C'est dommage qu'on n'ait pas la même taille parce que le chapeau et la tenue, je prenais à la fin comme offrande. Dommage. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu as fait le bon choix d'être là ce matin. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre pensée de l'année qui est l'année de l'expansion. Et ce matin, le Seigneur a mis une pensée en moi qu'on va partager ensemble. Le thème de ce matin, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu, c'est comment servir dans l'excellence, comment servir Dieu dans l'excellence. Amen. Comment servir Dieu dans l'excellence. J'espère que tu as ton cahier, que tu as ton stylo, que tu n'es pas venu en touriste ce matin à l'église, mais que tu as pris ta Bible, ton cahier, ton stylo, et que tu es prêt à prendre des notes ce matin. Je répète, le thème de ce matin, c'est comment servir Dieu dans l'excellence. Je salue l'évangéliste Ben Isaac qui est là ce matin avec nous. Je salue également nos merveilleux parents, le pasteur Roger, maman Ginette.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi tu les salues encore? La Bible dit que ceux qui exercent la fonction pastorale ou le ministère méritent un double. Ils méritent quoi? Bon, faut dire, ils méritent quoi? Ah, si toi aussi tu voulais que je te salue spécialement, faut venir t'asseoir là. Amen. Alléluia. Quand tu seras ordonné dans quelques mois comme l'ancien Hakim, tu auras aussi droit à un double honneur maintenant. Alléluia. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi pour l'ancien Hakim. Ok. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Nous sommes d'accord, on est ensemble alors. Alors, donc je répète notre thème, c'est comment servir Dieu dans l'excellence, ancien. Oui. Alléluia. Alors, tu dois comprendre une chose, l'excellence de ton service te fera vivre l'expansion. Amen. Je répète, c'est l'excellence de ton service cette année qui te fera vivre l'expansion. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Alors, nous allons lire plusieurs textes. Exode chapitre 5, verset 1. Exode chapitre 7, verset 16. Exode chapitre 7, verset 26. Exode chapitre 8, verset 16. Exode chapitre 9, verset 13. Je répète. Ok. Exode chapitre 5, verset 1. Exode chapitre 7, verset 16. Exode chapitre 7, verset 26. Exode chapitre 8, verset 16. Et Exode chapitre 9, verset 13. C'est bon? Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? On va lire ensemble, s'il vous plaît. Que quelqu'un me fasse la lecture, nous fasse la lecture ce matin. Je lis dans le nom du Seigneur, Exode 5, verset 1. Oui. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Oui. Et ils lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Laisse aller mon peuple. Que quelqu'un dise avec moi, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Ok, vas-y. Pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ok, allons au chapitre 7, au verset 16. Exode 7, 16. Oui. Et tu diras à Pharaon, oui. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, oui. M'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple. Que quelqu'un dise avec moi, laisse aller mon peuple. D'accord. Afin qu'il me serve dans le désert. Afin qu'il me serve dans le désert. Dis ça avec moi, afin qu'il me serve dans le désert. Afin qu'il me serve dans le désert. Ok. Et voici... Jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ok, verset 26, toujours le chapitre 7. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Que quelqu'un dise, laisse aller mon peuple. Pour faire quoi? Afin qu'il me serve. Dis avec moi, afin qu'il me serve. Chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, 1, 2, 3. Afin, allons au chapitre 9, au verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle le Dieu des Hébreux, 1, 2, 3. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors, je sais que tu es en train de te demander, mais pourquoi on a lu tous ces passages? Je ne comprends pas trop. Je sais que certains commencent déjà à se poser la question, mais le pasteur veut... Où est le rapport? Alléluia. Amen. On va aller. Vous permettez? On peut commencer? Ok. Saint-Esprit, merci. Tu prends le contrôle de toutes choses. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu sois au contrôle. Que toute parole qui sortira de ma bouche soit accompagnée maintenant par ton esprit, Père. Que cette parole puisse véritablement venir dans des cœurs disposés à recevoir cette parole, qu'elle porte du fruit, mais qu'elle ne tombe pas sur des épines. Merci parce que je crois que c'est toi qui nous parles au travers de ma bouche. Merci parce que ce matin je m'efface, je te laisse la place. Je dis, je diminue ce matin afin que toi tu puisses croître maintenant dans le nom de Jésus. Je soumets tout esprit à ton autorité. Je déclare que tout esprit est soumis et captif à ton obéissance et à l'esprit de Dieu maintenant en ce lieu. Je refuse tout esprit de distraction. Je refuse tout esprit qui viendrait pour perturber le bon déroulement de ce culte. Et je déclare ce matin que seul l'Esprit de Dieu règne maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, comment servir Dieu dans l'excellence? Un célèbre moraliste français du nom de Joseph Joubert a dit: ce n'est pas l'abondance, mais l'excellence qui est richesse. Alléluia. Philippe Joseph Joubert, un moraliste français, un célèbre écrivain français, va dire: ce n'est pas l'abondance, mais l'excellence qui est richesse. C'est bizarre. Il dit: ce n'est pas l'abondance qui est la richesse, mais c'est l'excellence qui est là. Qu'est-ce qu'il essaye d'expliquer? Tu peux avoir, vivre l'abondance dans ta vie, mais s'il n'y a pas la notion d'excellence dans ta vie, en réalité, tu n'es pas riche. Je savais que tu n'allais pas me dire amen. L'abondance sans l'excellence ne fait pas de toi un homme riche. C'est ce que Philippe Joubert, Joseph Joubert essaie de nous expliquer. Alléluia. L'abondance dans ta vie sans l'excellence ne fait pas de toi un homme riche. C'est-à-dire, à l'abondance, il faut que tu ajoutes quelque chose. Et cette chose, ça s'appelle comment? L'excellence. Dis à ton voisin l'excellence. Dis-lui 2022, c'est l'année de l'excellence. Oui, l'année de l'expansion, c'est l'année de l'excellence. Alléluia. L'excellence est richesse et non l'abondance. Amen. Pourquoi? Parce que si tu es excellent, en réalité, ça te poussera à savoir gérer toutes les choses que tu as en abondance dans ta vie. Et tu sauras même comment faire multiplier ces choses, comment faire fructifier ces choses. C'est l'excellence que tu as dans la gestion de ce que le Seigneur t'a donné en abondance qui te permettra en réalité de demeurer riche. L'excellence dans la gestion de tout ce que tu as en abondance. Alléluia. Donc même dans la gestion, en réalité, il y a la notion d'excellence. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce que je veux prêcher ce matin, je parle de comment servir Dieu dans l'excellence, mais ce que je t'enseignerai ce matin, en réalité, ça concerne tous les domaines de ta vie. Alléluia. Ça concerne, je répète, tous les domaines de ta vie. Il est vrai que nous allons souvent parler de l'église, mais à un moment donné, on lève ton esprit en te disant: ce qu'on est en train de m'enseigner, ça concerne également le domaine professionnel, ça concerne ma famille, ça concerne tous les domaines d'activité de ma vie. Alléluia. L'excellence, c'est un esprit. Alléluia. L'excellence, je répète, c'est un esprit. Il y a ce qu'on appelle l'esprit d'excellence. Alléluia. C'est un esprit, l'excellence. En d'autres termes, l'excellence, c'est un état d'esprit. Amen. Si tu veux être excellent, il faut d'abord que ton esprit accepte cela. Il faut que ton esprit comprenne que la notion d'excellence, c'est un état d'esprit. Il y a des hommes et des femmes qui n'excellent pas, qui ne sont pas dans l'excellence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore réussi à comprendre et à capter que la notion d'excellence, c'est un état d'esprit. Alléluia. Ça veut dire que tu dois te battre en réalité pour pouvoir être un homme qui travaille dans l'excellence. Alléluia. Tu dois te battre. Quand je parle de l'esprit, je suis en train de parler de choses intérieures. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses comprendre à ton être intérieur que moi, cette année, je dois être dans la dimension de l'excellence. Alléluia. Je dois être dans la dimension de l'excellence. Il faut que ton être intérieur accepte cela. Parce que ton être intérieur, si tu ne le fais pas accepter ça,
il te maintiendra toujours dans la médiocrité. Alléluia. Il te maintiendra toujours dans la médiocrité. Dis avec moi au nom de Jésus. Cette année, en 2022, je vais chercher à être excellent. Cette année, je vais chercher à être excellent. L'excellence est un état d'esprit. Mais quand tu regardes Dieu, un des qualificatifs que l'on donne à notre Dieu, on dit il est comment? Il est ec. Alléluia. Alors si notre Père est excellent, comment expliquer que ses fils ne soient pas des hommes et des femmes excellents ou excellentes? Alléluia. Si notre Père qui est assis là-bas, qui est là-bas dans le ciel, il est qualifié d'excellent, comment est-ce possible que nous, en tant que ses fils, nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui marchons dans l'excellence? Ce n'est pas possible. Ça signifie quoi? Quand tu as été créé, vu que c'est lui qui nous a créé, dans ton ADN, dans ton sang, il y a la notion de l'excellence. Dans ton ADN, dans le sang qui coule dans tes veines, le jour où le Seigneur t'a créé, il a mis à l'intérieur la notion de l'excellence. Tu ne marches pas dans l'excellence. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas encore tu n'as pas encore pris conscience de ce que le Seigneur t'avait donné. Tu n'as pas encore pris conscience qu'il y avait l'excellence dans ton ADN. Le jour où tu prendras conscience qu'il y a l'excellence dans ton sang, qu'il y a l'excellence dans ton ADN, tu refuseras de faire les choses comme les autres, mais tu diras: maintenant je veux marcher dans l'excellence. Ce matin, en réalité, mon enseignement, cet enseignement, cette prédication, peu importe comment tu vas prendre, tu vas qualifier ce que je vais faire ce matin, mais je suis venu juste pour te révolter et te pousser à marcher maintenant dans l'excellence. Je répète, je suis venu te révolter et te faire comprendre que tu es en train de passer à côté de beaucoup de choses parce que tu n'as pas compris que depuis ta création, dans ton sang, il y a quelque chose de très important qui avait été injecté. Ça s'appelle l'excellence. Dieu est excellent. Donc ça signifie que nous, ses enfants, nous sommes excellents. Voilà pourquoi la Bible dit: tout ce que Dieu fait est excellent. Contemple simplement tout ce que le Seigneur a créé et tu verras que ce sont des choses excellentes. Lorsque l'on parle de l'excellence, nous sommes en train de parler des choses qui sont même au-dessus de la perfection. Alléluia. Quand tu vas à l'école et que le maître te met sur ta copie excellent, ça veut dire que tu as eu 19,95 sur 20. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a rien à rajouter. Ou alors c'était tellement bien qu'il t'a même mis 22 sur 20. Il a dit: je te donne 2 points en bonus pour le prochain devoir. Alléluia. Oh, tu ne diras pas amen parce que tu n'as pas connu ça. Tu étais trop habitué à des 6 sur 20. C'est pas vrai? Non. Que Dieu te bénisse, toi qui étais excellent à l'école. Alléluia. Quand on parle de la notion de l'excellence, on est au-dessus même de la notion de la perfection. Alléluia. Ça veut dire que là, il n'y a plus rien à rajouter. En d'autres termes, l'excellence, c'est le haut degré de la perfection. Alléluia. L'excellence, c'est le haut degré, je répète, de la perfection. Alors, je vais maintenant essayer de définir le terme excellence. Excellence. Comment servir Dieu dans l'excellence? Mais c'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est le caractère de ce qui est excellent. L'excellence, c'est le caractère de ce qui est excellent. Virgule, ne peut être meilleur. En d'autres termes, on ne peut rien faire de meilleur que ce que tu as fait là. Quand on dit ce que tu as fait c'est excellent, ça veut dire qu'on ne peut pas faire mieux que ce que tu viens de faire. C'est ça la notion d'excellence. Comme synonyme du terme excellence, tu as perfection, tu as supériorité. Alléluia. Tu as perfection, tu as supériorité. Mais le terme excellence a une autre signification également. Le terme excellence, c'est un titre honorifique donné aux ambassadeurs, aux ministres, aux archevêques, aux évêques. Alléluia. Le terme excellence, c'est un titre honorifique qui
est donné à des personnes qui ont des hautes fonctions, des ambassadeurs, des ministres, des archevêques, des évêques. Alléluia. Quand vous voyez l'ambassadeur, on dit souvent Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo. Son Excellence Monsieur le ministre. Son Excellence Monsieur le chef de l'État. Alléluia. Son Excellence, on le met toujours devant. Son Excellence Monsieur l'archevêque. Son Excellence Monsieur l'évêque. Pourquoi? C'est un titre honorifique en réalité. Mais maintenant, moi j'aime cette définition. Pourquoi? Parce que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, la Bible dit quoi? Nous avons été faits ambassadeurs de Christ ici sur terre. Alléluia. La Bible me dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, verset 20, nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ ici sur terre. Je croyais que tu allais dire amen. Nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ sur terre. Si nous faisons la fonction d'ambassadeur, ça veut dire qu'en réalité ton nom ce n'est pas Hakim, mais ton nom c'est Excellence Hakim. Tu m'as pas compris. Si tu joues réellement le rôle d'ambassadeur pour Christ, ça veut dire que ton nom, ce n'est plus Bétula, mais c'est Excellence Bétula. Si tu joues véritablement le rôle d'ambassadeur pour Christ sur terre, ton nom ne peut pas être seulement Victoire, mais c'est Madame Excellence Victoire. Je suis venu parler à des hommes et des femmes qui sont en réalité des excellences. Je parle à des hommes et des femmes ce matin qui en réalité, je répète, n'ont pas conscience de leur véritable identité. Votre véritable identité, ce n'est pas le nom que vous portez. Ce n'est pas le nom qui est écrit sur votre pièce d'identité, mais c'est que vous êtes des excellences. Et si je suis une excellence, ça signifie quoi? Je dois marcher dans l'excellence. Alléluia. Si je suis une excellence, je suis un ambassadeur, automatiquement, je suis obligé de marcher dans... Un ambassadeur, c'est un représentant d'un État auprès d'un État étranger. Alléluia. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un État auprès d'un État étranger. Si tu es représentant d'un État auprès d'un État étranger, ça veut dire qu'en tant qu'ambassadeur, premièrement, ce ne sont pas tes intérêts qui comptent, mais ce sont les intérêts de l'État qui t'a envoyé. Alléluia. Ce ne sont pas tes intérêts. Tu n'es pas là pour te servir toi, mais tu es là pour servir le pays, la nation, le chef de l'État qui t'a envoyé quelque part. Alléluia. Ça signifie que tu ne sers pas pour tes intérêts, tu ne sers pas à titre personnel, mais tu es là comme représentant des intérêts du pays qui t'envoie. Alléluia. Tu es là comme représentant des intérêts du pays qui est en train de t'envoyer. Mais je vous ai dit tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 20 dit, nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ. Ça signifie que sur terre, nous sommes en réalité en train de représenter les intérêts d'un État. Nous sommes en train de représenter les intérêts d'un État auprès d'un État étranger. Tu me poseras la question de savoir, pasteur, quel État? Je vais t'expliquer maintenant. En réalité, il y a deux États qui sont là. Le premier État, c'est lequel? C'est le ciel. Et l'État, le deuxième État, c'est lequel? C'est la terre où nous sommes. Toi et moi, nous avons été envoyés par un État qui est le ciel pour faire la fonction d'ambassadeur dans un État étranger qui s'appelle la terre. Ça signifie que sur terre, nous avons en réalité une fonction. Nous sommes ici sur terre, non pas pour notre intérêt, non pas pour servir pour notre intérêt, mais en tant qu'excellence, nous sommes ici pour représenter les intérêts de la nation céleste. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas sur terre pour tes propres intérêts, mais tu es sur terre pour représenter les intérêts de la nation céleste. Lorsque Christ t'a pris, il t'a créé, il t'a laissé sur terre, ce n'était pas pour que tu serves pour tes intérêts, ce n'était pas pour que tu fasses ta volonté, mais c'était pour que tu fasses la volonté de cette nation là-bas. Or, la terre pour toi et moi, ça représente ce qu'on appelle la nation étrangère. Je répète, la terre pour toi et moi, ça représente la nation étrangère. Un ambassadeur, quand il est envoyé, une des fonctions de l'ambassadeur, c'est qu'il est porte-parole de l'État qu'il envoie. En tant que porte-parole, ça signifie qu'il a un message spécifique à donner. Le chef de l'État l'envoie en lui disant, je t'envoie là-bas et à chaque fois que tu t'exprimeras, voilà ce que tu dois dire. En d'autres termes, je suis porteur d'un message.
toi et moi, en tant qu'excellence, ici sur cette terre, nous sommes des porte-paroles et nous sommes porteurs d'un message. Nous sommes porteurs d'un message. Le message que toi et moi nous avons à apporter, c'est un message de la plus haute considération. Lorsqu'un ambassadeur est reçu par un chef d'État, ceux qui suivent le journal, vous allez voir, le journaliste dira, il a emmené un message d'une haute importance au chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ambassadeur, je ne peux pas venir donner des messages qui n'ont pas de sens. Non, je dois apporter un message qui a une haute considération. En d'autres termes, qui a une haute importance. Et tu sais c'est quoi pour toi et moi, le message que nous avons à apporter aujourd'hui? Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi le message que nous avons apporté aujourd'hui? Le message que toi et moi nous avons apporté, quand le Seigneur a dit, je fais de toi un ambassadeur, je t'envoie sur terre maintenant, il a dit, voilà la note. Mais en bas, il a dit, voilà maintenant le message que tu vas apporter. Le message que toi et moi nous avons apporté, c'est lequel? C'est le message du salut maintenant. Je répète, le message de la plus grande considération, de l'importance que nous avons à apporter aujourd'hui, c'est le message du salut. Le Seigneur nous a pris au ciel, nous envoyer sur terre comme ambassadeurs pour apporter un message d'une très grande considération, d'une très grande importance. Et ce message, c'est lequel? C'est le salut. Alléluia. C'est le salut. C'est le salut. Le message pour lequel nous avons été envoyés pour terre, sur terre. Nous sommes porte-parole du message du salut ici sur terre. Mais maintenant, je vais t'expliquer quelque chose par rapport à l'ambassadeur. Je t'explique ces choses pour que tu comprennes avant que je te donne certains points. Un ambassadeur, il n'est pas voté, mais il est nommé. Un ambassadeur n'est pas voté, mais il est nommé. Lorsqu'il est nommé, ce n'est pas un collège qui le nomme, mais c'est un homme en son âme et conscience qui prend la décision de le nommer. Alléluia. Un ambassadeur, je répète, il est nommé. Ça veut dire que lui-même, l'ambassadeur, de fois, n'a pas choisi d'être ambassadeur. Mais on l'appelle pour lui dire, le chef de l'État a décidé que tu seras désormais ambassadeur du Congo au Zimbabwe. Alléluia. Et c'est fini. Tu vas prendre tes fonctions. Ça veut dire que tu n'as pas ton mot à donner. La seule chose, tu as le droit de dire non, je ne veux pas. Mais si tu ne veux pas, tu es écarté. Il ira choisir un autre ambassadeur. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand il t'envoie sur terre, il dit voilà le message que tu dois apporter. Tu acceptes ou tu refuses. Si tu refuses, il n'y a pas de problème. Je t'écarte, je trouverai quelqu'un d'autre. Je trouverai quelqu'un d'autre. Je trouverai toujours quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais un ambassadeur, lorsqu'il arrive dans un état et qu'il oublie qu'il n'est pas là pour servir ses propres intérêts, qu'il commence à servir ses propres intérêts, qu'il commence d'abord à regarder à son ventre, celui qui l'a envoyé a le droit de prendre la note maintenant pour lui dire tu es disqualifié. Et je mets quelqu'un d'autre à ta place. Alléluia. Tu es disqualifié, je mets quelqu'un d'autre à ta place. Monsieur l'Excellence, l'ambassadeur du Congo en République du Gondwana. Parce que vous n'avez pas été dans l'excellence, vous n'avez pas été porteur du message que je vous ai transmis, sachez qu'à partir de lundi, vous êtes démis de vos fonctions d'ambassadeur maintenant. Je suis en train de t'expliquer quoi. À chaque fois que tu ne réalises pas que tu es une excellence, que tu ne travailles pas dans l'excellence, que tu refuses de travailler dans l'excellence, attends-toi à ce qu'il y ait une note de celui qui t'a affecté pour dire à compter d'aujourd'hui, tu es démis de tes fonctions d'ambassadeur. Alléluia. C'est la même chose en réalité dans l'église. À chaque fois que tu refuses de travailler dans l'excellence, ne sois pas surpris que celui qui t'a donné la responsabilité prenne la note pour dire, à compter de lundi, tu ne seras plus à la tête de tel ou tel département, tu n'occuperas plus telle fonction dans l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris conscience de la tâche qui t'avait été donnée. Alléluia. Alors quand tu comprends ces choses, c'est là maintenant où je vais vous expliquer en réalité ces textes que nous avons lus. Si le message que nous avons à apporter, c'est celui du salut de l'homme, pourquoi j'ai fait lire tous ces textes? Mais c'est pour te faire comprendre une chose. À chaque fois que le Seigneur envoyait Moïse, il dit va vers Pharaon, dis-lui laisse aller mon peuple. En d'autres termes, il était en train
de dire à Pharaon que l'heure du salut pour son peuple est arrivée. Alléluia. Laisse aller mon peuple. Va lui dire maintenant, laisse aller mon peuple. En d'autres termes, le temps pour le salut de mon peuple est arrivé. Le temps de leur délivrance est arrivé. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il disait, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pourquoi? Le Seigneur est en train de nous expliquer quelque chose. Si nous avons été sauvés, c'est pour le servir. Alléluia. Tu as été sauvé, c'est pour servir le Seigneur. Tu n'as pas été sauvé pour rester assis à ta place. Non. Tu as été sauvé, je répète, pour servir le Seigneur. Ah, je ne dirai plus amen parce que tu aimes trop ta chaise. Toi qui dis, moi je viens à l'église, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Quand il a dit, allez dire à Pharaon de laisser aller mon peuple, il dit, afin qu'ils me servent maintenant. Il n'a pas dit, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de me servir ou de ne pas me servir. Non, il dit, afin qu'ils me servent. Bien aimé, si tu as été sauvé, c'est pour que tu serves le Seigneur maintenant. Dis avec moi, j'ai été sauvé pour servir le Seigneur. J'ai été sauvé pour servir Dieu. Mais si j'ai été sauvé pour servir Dieu, ça signifie que j'ai maintenant la fonction d'un ambassadeur. Donc je m'appelle maintenant Excellence Monsieur X, Excellence Madame Y. Alléluia. Mais en tant qu'excellence, ça signifie que je dois maintenant servir Dieu dans l'excellence. C'est maintenant, on va voir ensemble, qu'est-ce que je dois faire pour servir Dieu dans l'excellence. J'ai été sauvé pour servir Dieu. J'ai compris que je joue le rôle d'ambassadeur pour Christ ici sur terre. Ce ne sont pas mes intérêts qui priment, ce sont les intérêts de celui qui m'a envoyé. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'excellence pour servir dans l'excellence? C'est ça que nous allons voir maintenant ensemble. Par la grâce de Dieu, nous allons voir ensemble 5 points ce matin. Alléluia. 5 points nous allons voir ensemble ce matin. Véritablement servir Dieu dans l'excellence, la première des choses, c'est que tu dois aimer Dieu. Dis avec moi, je dois aimer Dieu. Alléluia. Je répète, il faut dire avec moi, je dois aimer Dieu. Ne peut servir dans l'excellence que celui qui aime véritablement Dieu. Alléluia. Pourquoi? Mais si je n'aime pas la personne qui m'a envoyé, comment veux-tu que je fasse le travail qu'il me demande de faire dans l'excellence? Alléluia. Si je n'aime pas la personne qui m'a envoyé, qui m'a mandaté, comment veux-tu que je fasse le travail qu'il me demande de faire dans l'excellence? Impossible. C'est l'amour que tu as pour cette personne, l'amour que tu as pour ta nation, qui te poussera à chercher à faire ou à remplir ta fonction dans l'excellence maintenant. Alléluia. Donc la première des choses, c'est que tu dois aimer Dieu. Quand tu regardes dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 38. Matthieu 22, 34 à 38. Matthieu 22, 34 à 38. Vous avez les pharisiens qui essayent ici de venir tenter Jésus. Ils essayent de l'avoir. Ils vont lui poser une question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Regardez au verset 37 la réponse de Jésus. J'ai commencé à lire au verset, vous pourrez lire à partir du verset 34. Hein, moi je lis à partir du verset 30, à partir du verset 36. Regardez la réponse de Jésus au verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras qui? Le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Donc si je veux servir Dieu dans l'excellence, je dois d'abord commencer par aimer Dieu. Alléluia. Ça paraît simple, mais je vais te poser la question. Es-tu sûr que tu aimes réellement Dieu? Si
je dis est-ce que tu aimes Dieu, je sais que tout le monde va lever la main. Mais si on va fouiller, tu es sûr que tu aimes vraiment Dieu? Parce que aimer Dieu, ça signifie beaucoup de choses. Aimer Dieu, ça signifie avoir la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Attention, Dieu n'est pas un tortionnaire pour que tu aies peur de lui. Un jour, j'écoutais un pasteur qui disait, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut avoir peur de Dieu. J'ai dit, faux, archi faux. Dieu n'est pas venu pour faire peur au monde. Ça veut dire quoi ça? Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons des fausses conversions. Parce qu'on pousse les gens à se convertir en leur montrant le côté soi-disant méchant de Dieu. Si tu ne te convertis pas, tu vas voir ce qu'il va te faire. Mais ce sont des fausses conversions. Ça ne vient pas du cœur. Alléluia. Non. Dieu, il est amour. Il n'est pas là pour faire peur aux gens. Alléluia. La crainte de Dieu, ça signifie amour de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, on parle de l'amour qu'on a pour Dieu. Ce n'est pas une question d'avoir peur. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Toi, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Dieu va te chicoter. Arrêtez avec ça. Dieu va te chicoter, Dieu va te chicoter. Il n'y a que ça. Alléluia. Aimer Dieu, ça signifie beaucoup de choses. Mais c'est ton amour pour Dieu. Cet amour pour Dieu, en réalité, il ne doit pas s'arrêter maintenant au ministère. Alléluia. C'est pourquoi je dis aimer Dieu, ça signifie beaucoup de choses. Ton amour pour Dieu ne doit pas s'arrêter au ministère. Qu'est-ce que j'essaie de t'expliquer? Quand je parle de ministère ici, je suis en train de parler du travail que tu fais pour Dieu. Tout travail que tu fais pour Dieu, c'est un ministère que tu es en train d'accomplir. Alléluia. Faites la différence entre ce qu'on appelle le ministère et le ministère don. Le ministère don, il y en a 5. Évangéliste, pasteur, apôtre, docteur, prophète. Alléluia. Il y en a 5. Mais tout service que tu fais au Seigneur, c'est un ministère. Alléluia. Quand tu fais le ménage à l'église, tu exerces le ministère du ménage. Quand tu chantes, tu exerces le ministère de la chorale. Quand tu filmes, tu exerces le ministère de la caméra. Alléluia. Quand tu fais l'accueil, tu exerces le ministère de l'accueil et du protocole. Tout travail que nous faisons pour le Seigneur, ça implique que tu es en train d'accomplir un ministère. Maintenant, l'amour que tu as pour Dieu ne doit pas se limiter au ministère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont limité l'amour pour Dieu au ministère. Voilà pourquoi nous avons des hommes et des femmes qui aiment Dieu à l'église, mais quand ils sortent de l'église, ils n'aiment plus Dieu. Parce que l'amour pour Dieu pourrait se limiter à l'église. L'amour pour Dieu, c'est quand je rentre ici, je dois avoir une attitude pieuse. Mais quand je sors, terminé. Pourquoi? Parce que je devais exercer le ministère. C'est pourquoi vous verrez des hommes et des femmes. Demain, je dois servir. C'est samedi. Aujourd'hui, il ne faut pas que je pêche parce que demain, je vais servir. Mais comme le culte est fini, j'ai fini d'exercer mon ministère. Je peux repartir pêcher normalement maintenant. Allô? Allô? L'amour pour Dieu ne doit pas s'arrêter au ministère. Voilà pourquoi nous avons des enfants de Dieu qui sont censés être des ambassadeurs, c'est-à-dire représenter Christ sur terre. Mais ils ne représentent plus Christ. On se demande qu'ils sont en train de représenter ici. Tu as été envoyé sur cette terre comme ambassadeur, mais je me pose la question de savoir qui tu représentes en fait ici. Quand les gens te voient, en réalité, quand les gens te voient dans la rue, la première des choses qu'ils devraient dire, ah, c'est l'ambassadeur du Congo, voici la nation congolaise devant moi. Mais toi, quand on te voit, impossible qu'on dise, ah, voici Jésus-Christ qui est devant moi. Jamais! C'est pas toi, hein? C'est un exemple. Jamais on dira, ah, voici Christ est devant moi. Nous sommes des Christ sur terre. Tu ne diras pas amen parce que tu sais, ce n'est pas ton cas. Nous sommes des Christ sur terre. Mais quand tu marches, qu'est-ce que les gens disent de toi dehors? C'est bien qu'à l'église on dise tu es le frère qui prie le plus, tu es la sœur qui prie le plus. Mais dehors là-bas, qu'est-ce qu'on dit sur toi? C'est là-bas que tu dois jouer le rôle d'ambassadeur, c'est pas dans l'église. Qu'est-ce qu'on dit sur toi là-bas dehors? À ton travail, qu'est-ce qu'on dit de toi? Dans ton quartier, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on raconte sur toi là-bas, dans ton travail, dans ton quartier? C'est toi qui es ambassadeur de Christ. Mais dans le quartier, je ferme ma bouche.
Alléluia. Amen. Ok. Amen. Tu as une fonction d'ambassadeur. Ça signifie partout où tu vas, les gens doivent voir l'excellence de Christ à travers toi. L'excellence de Christ à travers toi. Elle est là, ma fille Irène. La semaine dernière, avec Joanne, je crois qu'on a fini de prier tard le soir. Si c'est faux, tu te lèves, tu t'autorises de dire, pasteur, tu mens. D'accord? Il était 22h35. Le couvre-feu à 23h. Nous l'avons accompagné à la base. Parce qu'elle ne pouvait pas trouver de taxi ici. Elle habite à Luandili. D'accord? Je ne vous donne pas l'adresse. Il y en a qui commencent à dire c'est où. Ça s'arrête là. On l'a laissé là-bas pour qu'elle prenne un... Et comme on n'arrivait pas, je suis descendu de la voiture, j'ai arrêté un taxi. J'ai dit, elle veut rentrer chez elle à Luandili, vous pouvez l'accompagner. Il a dit, ok, pas de problème, mais 2000. Ça paraît normal. Elle m'appelle le lendemain, elle dit, papa, tu sais quoi? Truc de fou. Je dis quoi? Truc de fou de quoi? Elle me dit, tu sais que le taximan, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je vous ai pris à cause de ce monsieur. Parce que c'est un bon pasteur. Elle a dit, vous priez à l'église? Non, je ne prie pas chez vous, mais je sais que c'est un bon pasteur. Elle est là, elle dit, à cause de lui, je vous ai pris. Je n'aurais pas dû vous prendre, vu l'heure. Mais à cause de lui, je vous ai pris. Ah, oui. Qu'est-ce que les gens témoignent de toi? Qu'est-ce que les gens témoignent de toi? Quelqu'un qui ne prie pas ici, quelqu'un me dit, mais je le connais, je sais que c'est un bon pasteur. Qu'est-ce que les gens témoignent de toi? C'est ça le plus important. Aimer Dieu, c'est ça en réalité. Parce que je sais que j'ai une fonction tellement lourde, tellement importante. Je dois essayer de le représenter au mieux possible, du mieux possible. Tout ce que je fais doit être dans l'excellence. Parce que je sais que je suis en train de représenter quelqu'un. Dis avec moi, cette année, je vais vraiment aimer Dieu. En 2021, en 2020, je n'aimais pas encore Dieu. Mais cette année, je vais apprendre à véritablement aimer Dieu. Ça s'apprend. L'excellence, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que tu as le droit de chercher à être excellent. Et la Bible dit qu'il cherche, trouve. Donc ça veut dire que si tu désires véritablement devenir excellent, tu deviendras excellent. C'est à toi maintenant. C'est à toi de te battre pour devenir excellent. Alléluia. Comment servir Dieu dans l'excellence? Deuxième point. Le premier point, tu peux mettre un sous-point. Tu dois aimer Dieu, mais tu dois aussi aimer les hommes. Attention. Alléluia. On est toujours dans le premier sous-point. Tu dois aimer Dieu, mais tu dois aussi aimer les hommes. Alléluia. Regardez au verset 39. Il dit, voici maintenant le second. Après le premier qui est le plus grand, il dit, voici le second. Qui lui est semblable? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, tu aimeras les autres également maintenant. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais en réalité, les deux marchent ensemble. Si j'aime Dieu, j'aime les hommes. Amen. Si j'aime Dieu, j'aime les hommes automatiquement. Amen. Ah oui. Si j'aime Dieu, j'aime les hommes. C'est parce que tu n'aimes pas les hommes. Moi, je ne comprends pas. Tu es un ambassadeur, mais tu dis, moi, j'aime la solitude. Hein. Ouh lolo, moi, j'aime pas les hommes. Mais tu es quel genre d'ambassadeur? Mais un ambassadeur, tu es un envoyé. On va toujours t'envoyer vers les gens. Mais maintenant, toi, tu n'aimes pas les hommes. Tu vas faire comment? Non. Ouh. Non. Trop de monde là, ça suffit à un moment donné. Oh. Mais tu es un ambassadeur. Allez voir les ambassadeurs dans leur bureau. Combien de personnes défilent par jour? Mais c'est normal que les gens viennent te voir tout le temps. Mais si tu n'as pas l'amour pour ces hommes, mais comment tu vas faire? Le Seigneur dit quoi? Comment tu peux aimer un homme qui est devant toi que tu vois? Et comment tu ne peux pas aimer un homme que tu vois et dire que tu m'aimes moi que tu ne vois pas? Impossible, tu es un menteur. De la manière dont l'amour que tu démontres aux hommes, c'est comme ça qu'on saura le degré d'amour que tu as pour Dieu. Le degré d'amour que tu as pour le frère à côté, d'accord? C'est ça qui va nous montrer en réalité le degré d'amour que tu as pour Dieu. Il y a des personnes quand on te voit, on sait déjà lui là, c'est pas la peine. Méchant plus. Ne souris jamais. Toujours le front fermé. Quand tu parles, tu as l'impression que tu le déranges. Tu parles, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a?
je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Toi, du lundi au dimanche, c'est je ne suis pas d'humeur. J'aimerais que Dieu te dise un jour qu'il n'est pas d'humeur aussi. Je prie qu'en 2022, le Seigneur te dise aussi, du lundi au lundi, je ne suis pas d'humeur. Comme ça, tu vas arrêter de dire aux hommes, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, je n'ai pas envie de te parler. On peut comprendre, ça peut arriver, nous sommes des êtres humains, d'accord? Attention, ça peut arriver. Mais quand c'est du lundi au lundi, là, tu as un problème maintenant. Alléluia, tu as un problème. Deuxième point, comment servir Dieu dans l'excellence? Mais je dois servir Dieu avec ce que j'ai de mieux. Alléluia. Pour servir Dieu dans l'excellence, je dois le servir avec tout ce que j'ai de mieux. Je dois servir Dieu avec tout ce que j'ai de mieux. Corinthiens chapitre 10 verset 31, Matthieu chapitre 26 verset 6 à 13, Corinthiens 10 31, je lis, il est écrit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que tu manges, que tu boives, que tu fasses autre chose, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais que même quand tu manges, tu dois le faire pour la gloire de Dieu? Hein? Ah oui. Quand tu manges là, c'est pour la gloire de Dieu que tu manges. C'est pourquoi à la nourriture même, il a dit, même en mangeant, tu peux pécher. Parce que même manger là, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Même dans l'affaire de manger, il y a péché. Il a dit quoi? Si tu fais des excès de table, tu... Donc même manger là, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Ah oui? Toi qui aimes faire des excès de table là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que tu fais ça? Quand tu fais les excès de table, c'est pour la gloire que tu fais ça. Bon, toi aussi qui n'aimes jamais manger là, pose la question. La Bible a dit, vous mangerez, vous vous rassasirez et vous célébrerez l'Éternel. Bon, toi tu refuses toujours de manger, je ne comprends pas. Tu te rassasies à quel moment? Vous mangerez, ensuite vous vous rassasirez et après ça vous pourrez célébrer l'Éternel. Vous n'avez jamais remarqué que c'est quand les gens mangent là, il est rassasié, il commence à dire, oh, mettez-moi un peu la musique là. Pourquoi? Rassasié. Oh. Ah, j'ai trop bien mangé aujourd'hui. Va, mettez un peu de musique là. Pourquoi? Vous mangerez, vous vous rassasirez et vous allez maintenant célébrer l'Éternel. Oh. Toi, tu n'as pas mangé, tu n'es pas rassasié, tu as célébré l'Éternel comment? Même si on vient te mettre le dernier tube de Moïse Billet. Frère, mets d'abord la chose à la table. On va voir ça après. C'est vrai ou c'est pas vrai? Matthieu 26, regardez cette histoire. Matthieu 26, verset 6 à 13. Il faut manger et bien manger. Amen. Il faut manger et bien manger. Mais évitez les excès de table. S'il te plaît, évite les excès de table. C'est pas bon. Maintenant, je vois quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, si je mange par terre, est-ce que c'est excès de table? Oui, c'est excès. Là, c'est excès de sol, si tu veux, mais tout ça, c'est excès. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question un jour de savoir, pasteur, si je prends la nourriture, je mets par terre, est-ce que ça sera... J'ai dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Même si tu mets ça par terre, excès de sol, si tu veux, mais c'est excès seulement. C'est l'excès là qui n'est pas bon, c'est ça le péché. Que ce soit sur la table ou par terre, c'est excès. Amen. Matthieu chapitre 26, j'ai dit verset 6 à 13. Comme
Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? Ah les disciples, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Cette femme avait compris quelque chose. Servir Dieu, ça se fait dans l'excellence. Ça signifie que je dois le servir avec ce que j'ai de mieux. Quand on dit servir avec ce qu'on a de mieux, c'est prendre ce que tu as de plus cher en réalité et le mettre maintenant au service de la personne que tu sers. Alléluia. Servir Dieu dans l'excellence, c'est prendre ce que j'ai de plus cher. Alléluia. Et je le mets au service de Dieu. Cette femme, la Bible dit, elle prend son parfum. D'accord? Un parfum de... C'est-à-dire un parfum, je ne sais même pas comment ça coûte, mais c'est des millions et des millions. On ne peut même pas estimer le prix. Elle le prend et elle vient le casser au pied du maître. Waouh! Waouh! Elle le prend, elle le casse au pied du maître. Mais quand vous lisez l'histoire dans les autres évangiles, je vous dis quoi? Elle va prendre. Elle prend quoi? Ses cheveux. Et elle essuie les pieds du maître. Cette femme prend les cheveux pourquoi? Parce qu'elle a dit: je dois prendre ce que j'ai de mieux. En d'autres termes, ce qui fait ma gloire à moi, je dois le mettre au service du Seigneur. Elle prend ses cheveux. Elle se rend compte que le parfum, ça a de la valeur, mais ça ne suffit pas. Parce que l'apôtre Paul dit: la chevelure représente la gloire de la femme. La chevelure représente la gloire de la femme. Alors elle dit, pour montrer comment on doit servir Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant prendre ce qui représente ma gloire, c'est-à-dire mes cheveux, et je dois essuyer les pieds du maître. Alléluia. Lorsque je veux marcher dans l'excellence, ça signifie que je dois prendre ce qui représente ma gloire et je dépose aux pieds du maître comme cette femme. En 2022, tu veux marcher dans l'excellence. Regarde ce que tu gardes chez toi, ce que tu as qui représente ta gloire. Oh, je ne suis pas en train de parler de l'argent. Parce que quand ça dit là, le pasteur va dire bientôt amen. Non, non, s'il te plaît, arrête. Ça peut être ton temps. Le temps que tu disposes au Seigneur. Le temps pour toi est tellement précieux. Quand on te dit sers le Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Je suis chargé, je suis overbooké, j'ai pas le temps. Ça devient un problème pour toi. À quel moment tu seras capable de dire: aujourd'hui il n'y a pas de overbooké, reste derrière. Je vais d'abord aller me concentrer avec mon Dieu là-bas. Je dois d'abord aller servir mon Dieu. À quel moment tu seras capable de le faire? Quand tu le fais, le Seigneur dit: oui, je me rends compte qu'il a mis de côté ses occupations, qu'il a mis de côté son travail, et il a décidé de venir me servir aujourd'hui. C'est ça, prendre ce qui représente ta gloire quelque part pour le mettre au pied du maître. Alléluia. Si tu veux vivre l'expansion cette année, il faut que tu sois comme cette femme. Tu dois être comme cette femme. Tu dois chercher: qu'est-ce qui représente ma gloire là? C'est quoi? Cette année, je dois déposer ça au pied du maître. Je dois déposer ça au pied du maître. Je dois venir déposer ça au pied du maître. Parce que je suis qu'un ambassadeur. Donc ça ne m'appartient même pas en réalité. Je dois venir lui redonner ce qu'il m'a donné là. Je dois venir lui redonner ça. Et c'est comme ça que je marcherai dans l'excellence cette année. Alléluia. Dis avec moi: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, en 2022, je prends la décision de servir le Seigneur avec tout ce que j'ai de meilleur. Cette année, je donnerai au Seigneur pour son service ce que j'ai de mieux. Au nom de... Quand je te fais répéter des prières comme ça, ce sont des paroles prophétiques que tu prononces pour ta vie. Alléluia.
Il faut prendre au sérieux ces paroles. La prière, ce n'est pas toujours mets-toi debout, on va prier. Non, non, là tu es en train de prier. Alléluia. Tu es en train de prier. Troisième point, comment servir Dieu dans l'excellence? Si je veux véritablement servir Dieu dans l'excellence, mais je dois être prêt à accepter la correction. Si je veux servir Dieu dans l'excellence, je dois être prêt à accepter la correction. En d'autres termes, je dois être enseignable. Alléluia. Je dois accepter la correction. En d'autres termes, je dois être enseignable. Je vous ai dit, l'enseignement que je donne ce matin, ça concerne tous les domaines de notre vie. Amen. Ça veut dire même dans ton travail, là où tu es en train de travailler, si je prends le point 2, si tu veux exceller dans le travail que tu es en train de faire, il faut que tu prennes ce que tu as de mieux et que tu le mettes au service de ton travail maintenant. Alléluia. Tu dois prendre ce que tu as de meilleur et le mettre au service de ton travail. Tu as un commerce. Es-tu sûr que tu prends ce que tu as de meilleur pour le mettre au service de ton commerce? Es-tu sûr que tu prends véritablement ce que tu as de meilleur pour le mettre au service de ta boutique? Es-tu sûr de cela? Es-tu sûr que tu prends ce que tu as de meilleur pour le mettre au service de ta société? Oh, quand j'ai préparé cet enseignement, je me suis parlé moi-même. J'ai dit, oh là 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 là. Seigneur, c'est vrai que quand tu dis, quand tu enseignes, la première personne que tu enseignes, c'est celui qui prêche, c'est la vérité. Je vois vers ma droite des gens qui commencent à bouger la tête. Oui, 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 oui. Ils sont en train de dire, hein, le pasteur est en train de se prêcher lui-même. Oui, je n'ai pas de honte à le dire, je me prêche moi-même. Alléluia. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Tu as une société, ça ne marche pas, mais es-tu sûr que tu penses que tu as de meilleur pour mettre au service de ta société? J'ai dit, oh, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, mais depuis tout ce temps, je faisais quoi? J'ai dit, oh, à partir de demain, dites avec moi, ça va changer. Ah, dites avec moi, ça va changer. Ah oui, il faut que tu prennes cette résolution. Tu as des affaires, il faut que tu prennes cette résolution. Prends ce que tu as de meilleur et mets au service de ton affaire. Et tu verras si ça ne va pas marcher maintenant. Alléluia. Toi, tu es négligent, tu dis, non, tu ne donnes pas le meilleur de toi pour ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi tu n'as pas de grands résultats. Qui veut des grands résultats? Fais de grands efforts. Qui veut de grands résultats, fait des. Troisième point, j'ai dit, je dois être prêt à accepter la correction. En d'autres termes, je suis enseignable. On va lire plusieurs proverbes. J'aime bien le livre de Proverbes parce que là-bas, il y a plusieurs leçons de la vie dans le livre de Proverbes. Amen. Il y a des leçons de la vie là-bas, terribles, dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10, verset 17. Il est écrit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alléluia. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Proverbes chapitre 12, verset 1. Proverbes 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Dites avec moi stupide. Dis encore stupide. C'est pas le pasteur qui a dit, c'est la Bible. Alléluia. Proverbes chapitre 13 verset 18. La pauvreté et la honte. Dites avec moi la pauvreté et la honte. Sans le partage de celui qui refuse la correction. Deux fois tu es en train d'accuser tantine Blandine. Oh, c'est à cause de son esprit là que je suis pauvre. Ça n'a rien à voir. Ma Bible me dit, la pauvreté et la honte sont le partage de ceux qui refusent quoi là? En d'autres termes, ceux qui refusent d'être enseignés. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Alléluia.
Celui qui aime la réprimande, il est honoré. Je lève ma main droite et je déclare, cette année, la pauvreté et la honte ne seront pas ton partage. Parce que tu seras enseigné. Tu seras enseigné. Mais je déclare, parce que tu aimes l'enseignement, parce que tu aimes être corrigé, tu seras honoré cette année. Je dis, tu seras honoré cette année. Je dis, les hommes vont t'honorer. Je dis, le Seigneur va t'honorer. Les hommes vont t'honorer, le Seigneur va t'honorer. Les hommes vont t'honorer, le Seigneur va t'honorer. Les hommes vont t'honorer, le Seigneur va t'honorer. Que cela soit ton partage au nom de... Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Il y a des gens qui aiment abandonner ici. On appelle comment? Abandonnateur? On dit quoi? Abandonnateur? On dit quoi? Déserteur? Déserteur? Lâcheur? Bon, il y a des lâcheurs, des abandonnateurs, des, vous mettrez le mot que vous voulez, il y en a ici. On dit quoi? Une correction sévère menace, attention, celui qui abandonne le sentier. Maintenant, regardez, c'est trop fort. La suite, il y a une virgule, point virgule. Celui qui est la réprimande va mourir. Celui qui n'aime pas la correction va... Ah, tu as peur de dire ça. Dis ça avec moi, 1, 2, 3. Celui qui n'aime pas la correction va... C'est le pasteur qui a dit. C'est qui? Saute maintenant, va verset 31 à 33. L'oreille attentive aux réprimandes, à la correction, qui mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Verset 32. Par contre, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande et aime la correction acquiert l'intelligence. Verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je vais peut-être te choquer ce matin. Ceux qui n'aiment pas la correction, c'est un manque d'humilité en réalité. Oui. Les hommes et les femmes qui n'aiment pas qu'on les corrige, c'est parce qu'ils n'ont pas l'humilité. Mais je dis cette année que le Seigneur te brise au nom de Jésus. Je dis cette année, le Seigneur doit te briser au nom de Jésus. Ceux qui n'aiment pas être enseignés, c'est un manque d'humilité. C'est l'orgueil qui est en train de les gagner. Parce qu'ils estiment, on connaît déjà tout, on n'a pas besoin d'être enseigné. Alléluia. Vous savez, nous venons d'une église où nous étions avant, au centre-ville. Le pasteur qui est à la tête, enfin qui est toujours à la tête, le pasteur Christian, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, vous savez, c'était quoi? Au-delà de tout, c'est... Oui, il y a le côté correction si tu veux, mais c'est l'humilité d'avoir de toujours prendre des notes. C'est un signe des grands. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Regardez ce notre papa qui est là. Vous croyez que ce que j'enseigne, il ne connaît pas? Alléluia. Il a l'expérience. Même s'il y a quelques petits points que tu peux ajouter, d'accord? Mais il a l'expérience. Mais il ne va jamais venir s'asseoir et puis dire. Du début à la fin du culte, il est comme ça. Très bien prêché, fils. Dieu t'emmènera loin. Continue comme ça. Alléluia. Ça, c'est l'attitude des gens dont on est en train de parler ici, qui n'aiment pas la correction. Alléluia. Non. L'église, c'est l'école de la vie également. Nous venons à l'église pour apprendre.
On a peut-être raté ton éducation à la maison, mais je t'annonce qu'à l'église, on va reprendre ton éducation. Ah oui, l'église est faite aussi pour ça. Si papa et maman n'ont pas réussi à la maison, moi ici, je vais réussir. Ah oui. Ah oui. Ah oui. L'église, c'est ça aussi. Alléluia. C'est parce que l'église oublie justement ce côté-là qui doit jouer, qu'on laisse des gens devenir des... Au lieu de former des véritables disciples, l'église est en train de former des indisciples, des indisciplinés de la vie. Si vous voulez voir les gens qui se comportent le moins bien dans la société, allez les chercher dans les églises. Vous voulez voir les gens qui n'ont pas le savoir-vivre, allez les chercher dans les églises. Parce qu'on leur a appris que c'est l'onction qui fait tout. On leur a dit que tu n'as pas besoin d'étudier et tu deviendras ministre. On leur a dit que même si tu dis la poisson, tu seras élevé. Parce que tu n'es pas dans les affaires de français. Alléluia. Moi je refuse ça ici, hein, je vous dis. Si tu dis la poisson, je vais te corriger. Et ne viens pas me dire, Dieu n'est pas une histoire de français. Si, ici on parle français, donc tu dois bien parler français, désolé. Tu vas venir prêcher si tu commences à me dire, la poisson, je t'arrache le micro. Ah oui, je ne te donne plus le micro. Amen. Un des plus grands blocages à l'excellence, c'est une personne qui n'est pas enseignable. Alléluia. Un des plus grands blocages à l'excellence, je répète, c'est une personne qui n'est pas enseignable. Si tu refuses d'être enseigné, en réalité, tu es en train toi-même de te bloquer les portes de l'excellence. Si tu veux véritablement travailler dans l'excellence, tu dois accepter d'être enseigné quelque part. Tu dois accepter d'être corrigé. Alléluia. Ah oui. Moi j'aime les fils qui viennent toujours pour me voir pour dire, est-ce que tu as quelque chose à me dire? La dernière fois j'ai fait ça, est-ce que c'était bien? Pourquoi? Parce qu'il veut en réalité que tu le corriges quand il te pose la question. Il veut savoir quels sont les points où je dois m'améliorer. Parce qu'il sait que j'ai besoin d'apprendre. Mais je dois me rapprocher de qui à l'église? Mais de pasteur, je vais le voir. Tu m'as programmé, ah je viens te voir pasteur. Hier, quand j'ai chanté là, est-ce que c'était bien? Bon, moi, peut-être, je vais te dire c'est bien parce que, avec ma belle voix là, je vais considérer que c'était bien. Moi, je vais te dire c'est bien, mais après, je te dirai, bon, va quand même voir maman Amena. Je pense qu'elle aura peut-être. Elle est experte. Mais moi, je trouve que c'était bien quand même. Mais après, va quand même voir une experte. Parce que moi, mon niveau de voix là, c'est dans l'excellence. Donc, forcément, pour te juger, ça sera compliqué. Donc, va aller voir les gens qui sont en dessous de moi là. Eux, ils pourront. Vous avez eu de toute façon un aperçu le 31. Ah oui. Ah oui. C'est une question d'excellence. Vous aimez faire les TikTok. Celui que je vais voir qui va prendre la partie, j'ai chanté ici pour mettre ça sur TikTok. Je vous préviens. Les jeunes là. Si un jour je vois ma tête sur TikTok le jour où j'ai chanté là, attendez, vous allez voir ce que je vais vous faire. Faut savoir cacher l'excellence. Par moment, l'excellence, faut la cacher pour pas que les gens copient. La discrétion. Pour éviter que les gens copient, par moment, tu dis ça c'est trop excellent, je cache, je mets de côté, sinon les gens vont copier. Donc, cachez bien la partie là, s'il vous plaît. Hein? Sinon, les gens vont copier après. Amen. Ok. Vous savez, dans toute correction, même quand elle est exagérée, il y a toujours une part de vérité. Dans toute correction, je répète, qu'on te donne, même si elle est exagérée, il y a une part de vérité qui est cachée dedans. C'est pourquoi il ne faut jamais refuser la correction. Toi, dès qu'on veut te reprendre quelque part, tu veux toujours te défendre. Tu as toujours un argument, tu as toujours quelque chose à dire. Non, laisse la personne parler seulement. Même s'il est en train d'exagérer, il y a forcément une petite part de vérité qui se cache derrière là-bas.
Toi, quand tu rentreras chez toi, analyse seulement et commence à dire, bon, dans tout ce qu'il a dit là, je pense qu'ici, il a un peu abusé, mais ça, c'était vrai. Donc, je prends ça seulement. Et puis, le reste, je mets de côté. Alléluia. Quatrième point, c'est comment servir Dieu dans l'excellence. Je dois être consacré à une vie pure et intègre. Pour servir Dieu dans l'excellence, je dois être consacré à une vie pure et intègre. Tu travailles dans une société, ton directeur t'appelle. Je ne suis pas content du tableau que tu viens de me faire. Parce que voilà. Tu sais que là, il commence à exagérer. Mais s'il te le dit, c'est forcément qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. Après, maintenant, l'exagération, là, ça, c'est le fort de l'homme. Ce n'est pas un problème. Au fond de toi, dis seulement, esprit d'exagération, arrête. Mais écoute. Alléluia. Et à la fin, va corriger seulement. Amen. Mais ne commence pas à lui dire, ah, tu exagères. Pourquoi tu commences à... Non, laisse seulement, ce n'est pas grave. Écoute. Parce que derrière là, il y a une part de vérité. Amen. Généralement, celui qui te corrige, c'est quelqu'un qui est passé par ce que tu es en train de faire ou qui est au-dessus de toi. Donc, il a la connaissance supérieure à toi. Amen. Donc, il a le droit de te reprendre sur tel ou tel point. Alléluia. S'il est au-dessus de toi, c'est logique qu'il soit capable de te dire, attention là, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais plutôt comme ça. Amen. Mais parce que lui, au-dessus de toi, ce qu'il cherche, c'est l'excellence. Maintenant, si tu vois qu'il te corrige, mais c'est plutôt pour te ramener vers l'arrière, bon, là, c'est lui le problème maintenant. Là, effectivement, tu as le droit de dire, ah, pardon, s'il te plaît, je te laisse aller tout seul dans ton truc, je me retire. Parce que là, ce que tu me dis là, c'est pour emmener, vas-y tout seul maintenant. Amen. J'ai dit quatrième point, je dois être consacré à avoir une vie pure et intègre. Ça signifie quoi? Je dois être un modèle. Dis avec moi, je dois être un modèle. Oui. Servir Dieu dans l'excellence, cela signifie que tu deviens un modèle. Alléluia. Tu deviens un modèle. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Paul dit quoi à Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois quoi? Un modèle en quoi? Il cite. Après, il dit un modèle en quoi? En parole, en quoi? En quoi? Conduite, en quoi? Charité, en quoi? En foi, en quoi? En pureté, en quoi? C'est fini. Mais c'est ça. Être consacré à avoir une vie pure et intègre, mais c'est être un modèle dans toutes ces choses-là. Alléluia. Lorsque je suis dans l'excellence, un ambassadeur, on dit quoi? C'est un homme qui doit être intègre. L'intégrité. L'excellence marche avec l'intégrité et la pureté. Alléluia. L'excellence, je répète, ça marche avec ces deux choses. L'intégrité et la pureté. En d'autres termes, tu es un modèle. Pureté, vous savez, ça englobe beaucoup de choses. Hein. On peut même parler de la notion de la propreté dedans. Tu es représentant de quelqu'un, mais tu es tout le temps sale. Toi, tu n'es pas mon représentant, désolé. Oh. Tu vas là-bas. Oh. Je suis l'assistante du pasteur Christopher. Quand on te voit, je vais refuser. Allô, pasteur? J'ai reçu la sœur Spaghetti là, qui est venue me voir. J'ai dit, la sœur Spaghetti, ah, mais tu sais, elles ne sont pas très bonnes. Ah, ce n'est pas mon assistante, je ne la connais pas. Je ne connais pas ça. Je ne la connais pas. Oh. Elle prie à l'église, mais ce n'est pas mon assistante. Ah oui. Mais parce que tu vas pour représenter quelqu'un. Donc quand la personne te voit, il se fait une image de celui qui t'a envoyé.
Il faut que tu te mettes ces choses dans la tête. Quand tu es fils de cette église là, quand tu vas quelque part, il faut que sentir que ça c'est les enfants du pasteur Christopher. Ah oui, ah oui. Moi je t'exhorte à être toujours beau, à être toujours belle, à sentir toujours bon, toujours parfumé, toujours bien tressé, toujours bien tissage américain, brésilien, tout ce que tu veux. Toujours bien. Je t'exhorte. Vas-y. Vas-y. Toi aussi, jeune homme, je t'exhorte. Toujours, hein? Bien là. Ah, je t'exhorte. Bamouchouniabata, c'est quoi ça? Oh. Non, 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 non. Arrête avec ça, s'il te plaît. Je suis le protocole du pasteur, surtout les gens qui travaillent dans mon protocole là. Heureusement que vous êtes toujours propre. Mais de toute façon, sinon j'allais vous chasser il y a longtemps. Mais parce que quand vous voyez, vous êtes censé me représenter. Tu vas arriver à Mouchouniabata avec un jean et puis quoi encore? Là, je te mets loin de moi. Pasteur, ça va? Ah oui. Parce que tu n'as pas encore pris conscience que celui que tu représentes, il s'appelle excellence. L'excellence est dans tous les domaines. C'est-à-dire, je dois toujours faire un effort d'être beau, d'être propre, de sentir bon. Toutes ces choses-là, c'est ça l'excellence. Oh, s'il vous plaît. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, arrêtons avec ça. N'indisposons pas les autres. Ah mais oui. Ah mais oui, je vous ai dit l'église c'est ça, on doit s'éduquer. N'indisposons pas les autres, s'il vous plaît. Alléluia. Dites amen. Ah oui. Des fois le frère a besoin de prier, mais blocage. Parce que dès qu'il dit, oh Seigneur, je veux t'adorer. Ah, mes amis. Il est en train de recevoir des gifles d'odeurs terribles. S'il vous plaît, non. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Nous sommes en communauté. Faisons cet effort-là. Amen. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est ça. C'est dans tout ça. C'est dans toutes ces choses-là. Tu ne peux pas te lever un matin. Tu prends un vêtement qui est sale, tu viens à l'église. Ça, c'est pas l'excellence. Tu quittes chez toi avec un vêtement sale, tu viens à l'église. Mais tu veux représenter qui? Quand tu marches, tu représentes qui? Tu ne représentes pas mon Dieu, en tout cas. Ça, je te dis, tu ne représentes pas mon Dieu. Là, tu n'es pas en train de représenter mon Dieu. Tu es peut-être en train de représenter l'Ouzolo, je ne sais pas qui, mais ce n'est pas mon Dieu. Ah oui. Quand on va me dire, le frère, là, je dis, non, 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 non. C'est quelqu'un de l'Ouzolo qui est venu prier chez moi seulement aujourd'hui. Et on va le convertir aujourd'hui. Alléluia. Fais un effort. Vous savez, l'excellence, j'ai dit, c'est chercher à donner le meilleur de soi-même. Ça veut dire quoi? C'est pas une question d'avoir beaucoup de moyens. L'excellence, c'est pas une question d'avoir beaucoup de moyens. L'excellence, c'est un état d'esprit. Ça veut dire, avec le peu que j'ai, je me bats pour le faire dans l'excellence. L'excellence, c'est pas une question de moyens. Si on veut travailler dans l'excellence, les gens qui viendront vous dire, non pasteur, l'excellence, il faut ajouter ça, il faut ajouter ça. Avant d'ajouter, avec ce qu'on a là, soyons déjà dans l'excellence avec le peu que l'on a. C'est ça l'état d'esprit de l'excellence en réalité. C'est avec le peu que j'ai, je me bats pour faire les choses dans l'excellence. Il y a des gens qui disent, ah, mais votre église là, mais chez vous là-bas c'est terrible. Quand ils viennent, oh, c'est sûrement comme ça, mes frères. Parce qu'avec le peu qu'on a là, quand tu vois ça, tu as l'impression d'être dans une église à New York. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens, je vous assure, il y a des gens quand ils viennent la première fois, ils disent, oh, l'église est comme ça. Oh. Parce que, mais les images, j'ai dit, frère, c'est comme ça, l'excellence. L'excellence, c'est ça. Quand tu es excellent dans ton travail, on aura même l'impression que tu es le super boss. Deux fois, pourtant, tu n'as rien. Tu n'as rien. Frère, tu n'as rien. Mais quand on monde, on dit, ah, regardez Loïc par exemple. Quand tu le vois, tu dis quoi? DG. Quand il se balade en pointe noire, là, je suis sûr, les gens tremblent quand ils le voient. Encore, vous avez vu comment il marche? Ta démarche à Loïc.
c'est le code de l'excellence. Mais quand tu te rapproches aussi, tu dis, ma frère, Pierre a d'abord 10 000. Je gère ton cas demain. Il a même le code de l'excellence. Je gère ton cas demain. Demain, cherche-la, tu vas le voir encore où. L'excellence. Alléluia. C'est ça. C'est un code. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il faut travailler ton esprit, dire que ah, moi, tout ce que je fais, ça doit toujours être dans l'ec. Le ministère, c'est ça. Le ministère, je vous ai dit, ce n'est pas le travail que tu fais à l'église. Le ministère, c'est en réalité qui vous êtes 24 heures sur 24. C'est ça le véritable ministère en vérité. Le ministère, ce n'est pas seulement ce que tu fais à l'église. C'est qui tu es 24 heures sur 24. C'est ça le ministère. Ça veut dire quoi? Ça concerne tes finances, ta famille, ton caractère, ton couple. Ça concerne tous ces domaines-là, ton travail. Ça concerne tous ces domaines. Et le fait de vivre l'excellence dans tous ces domaines te permettra en réalité d'avoir maintenant un ministère puissant. Alléluia. C'est le fait de vivre l'excellence dans tous ces domaines qui te mènera vers un ministère, non seulement un qui est puissant, mais deux efficaces. C'est une question d'équilibre en réalité. Le Seigneur ne veut pas que tu sois seulement excellent ici dans l'église, mais que tu sois excellent même à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a équilibre. Le Seigneur veut que nous soyons des serviteurs équilibrés. Il y a l'église, excellence, mais dehors aussi, excellence. C'est pourquoi chaque jour tu dois prier. Et c'est notre combat en réalité. C'est notre combat. À l'église tu peux être excellent, mais quand tu remarques que dehors tu n'es pas excellent, c'est ta prière. Moi c'est ma prière tous les jours. Seigneur, rends-moi excellent pour ma famille. Rends-moi excellent pour mon travail. Rends-moi excellent, rends-moi excellent. Ça doit être ta prière. Ne te dis pas seulement je suis excellent à l'église, ça suffit. Non, rends-moi excellent même là-bas à l'extérieur. Rends-moi excellent dans tous les domaines de ma vie. Parce que si je suis excellent à l'extérieur, je sais que mon ministère sera encore plus puissant et plus efficace. Parce que je serai un homme équilibré. Alléluia. L'excellence est pour les hommes équilibrés. Amen. C'est pour les hommes équilibrés. Il y a le ministère à l'église, il y a le ministère à la maison dehors. Il y a le ministère à l'église, il y a le ministère au travail. Dans tous les domaines, je suis dans l'excellence. Je refuse cette génération de chrétiens qui sont excellents à l'église et qui au travail ne sont pas excellents. Sous prétexte que je suis enfant de Dieu, ça ne marche pas. Je refuse cette génération de chrétiens. Je suis excellent à l'église. Quand j'arrive au travail, au lieu de travailler, je mets des cantiques d'Atoms à l'ordinateur toute la journée. On te dit d'aller remplir un tableau. Toi, tu es en train d'écouter Atoms. Je te préviens, tu fais ça au cabinet Mayabel. Même si le DG Roger Mayabel n'est pas d'accord, je vais faire un faux rapport sur toi pour qu'on te chasse et qu'on te vire. Ah oui? Oui? Qu'on te renvoie rapidement et on prendra quelqu'un d'autre à ta place. Tu n'es pas venu au cabinet pour écouter Atoms du matin au soir? Bon, écoute ça chez toi à la maison. Maintenant, si tu veux profiter de la connexion, c'est ton problème. Cherche l'argent pour mettre des mégas dans ton téléphone. Alléluia. L'excellence, c'est partout où on va. On doit sentir que oui. Quand on demande, mais tu es performant toi. Waouh, oui. Tu es chrétien, oui. Vous n'avez jamais remarqué, les gens de fois même sont étonnés. Mais il est performant, elle est performante cette femme-là, ce garçon est performant. Tu pries? Oh oui. Oh! Quoi? Il y a des chrétiens aussi qui savent faire ça. Ah mais oui. Ah mais oui. Les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Notre papa qui est là, les gens sont étonnés. Quand ils ont découvert tes pasteurs? Oh. Quoi? L'expert là, c'est un pasteur. Oh. Pasteur, pasteur. Oh. Comment c'est possible? Hein? Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est une question d'équilibre. Alléluia. C'est une question d'équilibre. 2022, cherche à être un homme équilibré. Cherche à être une femme équilibrée. Et tu verras l'excellence dans tous les domaines de ta vie. Cinquième point et dernier point. Si tu veux servir Dieu dans l'excellence cette année, avant, c'est un point très important. Dans le quatrième point, il faut le noter. Ne confondons jamais
D'accord? Le perfectionnisme et l'excellence. Attention. Alléluia. Il y a une différence entre le perfectionnisme et l'excellent. Et l'excellence. Alléluia. Le perfectionnisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche tellement la perfection qu'il veut obtenir des résultats avec des moyens qu'il n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Tu cherches à obtenir des résultats avec des moyens que tu n'as pas. Tu n'obtiendras jamais les résultats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens de ta politique. Ça, c'est le perfectionniste. Mais l'excellence, c'est j'ai les moyens, qu'ils soient petits ou grands, mais je fais le meilleur, je fais le mieux de moi avec les moyens que j'ai. Est-ce que vous voyez la nuance? Il y a une différence. Il y a une différence. Ne confondez pas le perfectionnisme et l'excellence. Beaucoup, sous le prétexte de la recherche de l'excellence, tombent dans le perfectionnisme. Ça veut dire, ils veulent des grands résultats avec des moyens qu'ils n'ont pas. Attention, tu n'obtiendras pas les résultats, tu n'as pas les moyens de ta politique. Arrête tout de suite. Arrête. Tu viens d'ouvrir un restaurant à l'aéroport. Oh, moi, je vais maintenant ouvrir aussi un autre restaurant à la base. Tu n'as pas les moyens. Arrête. Arrête. Sois déjà dans l'excellence avec le restaurant que tu as ici à l'aéroport. Arrête. Sois excellent ici. Arrête. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Avec les moyens que tu as là, contente-toi d'abord de ça. Sois excellent ici et c'est ça qui te permettra d'aller ouvrir demain maintenant un autre restaurant là-bas. Amen. Vous avez compris? Donc faites très attention. Cinquième point, et c'est le dernier. Pour servir Dieu dans l'excellence, je dois détester la médiocrité. Que quelqu'un dise avec moi, détester la médiocrité. Ah oui. Tu dois être un homme, une femme qui déteste la médiocrité. C'est-à-dire la médiocrité, ça doit être... Ouf, tu ne veux même pas entendre parler de ça. En 2022, il faut que tu dises, la médiocrité, là, je ne veux même pas entendre ce mot-là à côté de moi. Ça ne peut même pas venir à côté de moi. Non. Médiocrité, loin de moi. Alléluia. La médiocrité, c'est le caractère de ce qui est médiocre. Amen. C'est-à-dire ce qui est d'une valeur inférieure à la moyenne. Quand on dit travail médiocre, ça veut dire c'est inférieur à la moyenne. Sur 20, tu as eu 7 sur 20. Travail très médiocre. Alléluia. C'est ça la médiocrité. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons des personnes qui aiment servir Dieu dans la médiocrité. Non, Dieu s'appelle excellence, il est un Dieu d'excellence. Comment tu peux te contenter de la médiocrité? C'est pourquoi moi, il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des choses, ceux qui travaillent, ceux qui servent à côté de moi savent que par moment, ils disent, le pasteur abuse. C'est pas que j'abuse, je ne supporte pas la médiocrité. Je ne supporte pas. Alléluia. Je ne supporte pas. Parce que je me dis, avec ce qu'on a, on doit faire du mieux possible. Non, je ne supporte pas les petites choses là. Non. Parce que pour moi, j'estime que ça, c'est de la médiocrité. Alléluia. Ah non. Si tu veux changer ton état d'esprit et avoir l'esprit de l'excellence, il faut que tu t'enlèves la médiocrité. Quand tu sais que ce n'est pas bon, arrête de dire, bon, ça va, ça passe quand même. Non, ça ne passe pas quand même. Ce n'est pas bon. Le médiocre, c'est celui qui aime les compromis. Bon, ouais, bon, écoute, on peut faire avec, ça passe. Il n'y a pas de ça passe quand même. Non, c'est mauvais, c'est tout. Un point, c'est tout. Non, on doit changer. Alléluia. C'est un état d'esprit que tu dois refuser. Celui qui est médiocre, c'est celui qui aime les compromis. C'est celui qui n'aime pas la discipline. C'est celui qui n'aime pas les conseils. Celui qui est médiocre, c'est celui qui aime les compromis. Lui, la compromission, ça, c'est son fort. Il n'aime pas la discipline. Il n'aime pas les conseils. Mais fais très attention, parce que la médiocrité te conduira à la mort. Alléluia. Je répète, la médiocrité te conduira à la mort. C'est-à-dire la médiocrité dans le travail que tu fais te conduira à perdre ce que le Seigneur t'a donné. La médiocrité dans ton travail te poussera le Seigneur à te faire perdre le privilège qu'il a eu à te donner. Parce qu'il se rendra compte que tu es médiocre. Alléluia. Et donc, en d'autres termes, ça te conduit à la mort. Mais cette année en 2022...
année de l'expansion. Je crois que dans cette église, le Seigneur suscite non pas des hommes et des femmes médiocres, mais des serviteurs qui marchent dans l'excellence. Des serviteurs qui refusent la médiocrité, qui ont horreur de la médiocrité, qui disent non, je ne me contente pas de cela. Je refuse de me contenter de cela. Non. La médiocrité ne peut pas être. Que quelqu'un dise avec moi, en 2022, en cette année de l'expansion, je déclare, la médiocrité ne peut pas être mon partage. Je déclare, loin de moi, tout esprit de médiocrité. Je déclare, loin de cette église, tout esprit de médiocrité. Je déclare, loin de mon travail, loin de mes finances, loin de ma famille, loin de mon mariage, loin de mes business, tout esprit de médiocrité. Au nom de... Je vais conclure en te disant deux, trois choses très importantes maintenant. Si tu veux servir Dieu dans l'excellence, retiens cela. Il faut que tu aimes Dieu. Servir Dieu dans l'excellence. Tout ce que je vous ai dit, je vais le résumer maintenant en deux phrases. Servir Dieu dans l'excellence nécessite ou implique que tu aimes Dieu, que tu aimes les hommes, que tu lui donnes ce que tu as de meilleur, que tu sois prêt à changer. Et que tu te consacres à être pur et intègre en 2022. Alléluia. Je répète. Servir Dieu dans l'excellence en 2022 implique que tu aimes Dieu, que tu aimes les hommes, que tu lui donnes tout ce que tu as de mieux, que tu sois prêt à changer et que tu te consacres à être pur et intègre. Nous faisons fonction d'ambassadeur, c'est la deuxième phrase. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça signifie que nous sommes dans l'excellence. Amen. Je répète, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Cela signifie que nous sommes dans l'excellence. Si nous sommes dans l'excellence, nous sommes des excellences. Je croyais que tu allais dire amen. Si nous sommes dans l'excellence, cela signifie que nous sommes des... Que nous sommes des... Maintenant, parce que nous sommes excellents selon Dieu, nous sommes appelés à toujours exceller. Alléluia. Parce que nous sommes excellents selon Dieu, nous sommes appelés à toujours exceller. Mais exceller, c'est quoi? Exceller, en réalité, c'est aller au-delà de ses limites comme un aigle. Alléluia. Exceller implique que tu ailles constamment au-delà de tes limites. Celui qui veut exceller, c'est quelqu'un qui est prêt à aller au-delà de ses limites. C'est quelqu'un qui refuse de se contenter de ce qu'il a, mais il est prêt à percer la muraille pour aller au-delà. Pourquoi j'ai dit il est prêt à aller au-delà des limites comme un aigle? Un aigle il monte. Il a besoin d'aller très haut en réalité. Le lion est important. Mais la différence entre le lion et l'aigle, c'est quoi? C'est que le lion, il ne sort pas de sa zone de confort. Quand tu étudies le lion, d'accord? Le lion, il crée une zone de confort. Et il dit, celui qui rentre ici, c'est fini pour toi. Mais il ne sort de sa zone de confort. L'aigle ne reste pas dans une zone de confort. L'aigle, il perce pour aller encore plus loin. En d'autres termes, l'aigle cherche toujours à étendre tes limites. À étendre ses limites. En 2022, tu ne dois pas seulement être un lion. Tu dois laisser la dimension du lion. La dimension du lion, c'est pour 2021. 2022, c'est la dimension de l'aigle qui doit t'accompagner. Mets-toi debout dans la présence de Dieu. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
don't wanna love nobody but you. Father, I don't wanna love nobody but you. I really mean it this time. I don't wanna love nobody but you. Jesus, I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.